Vous êtes sur la télévision Labariche. Merci d'être au rendez-vous du journal dont en voici le sommaire. Dans l'atmosphère d'un cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats d'enseignants, CEPRAS qui va en grève demain jeudi et les menaces appuyées des travailleurs de la SORAS et des médecins spécialistes de faire de même, le front social s'enflamme à nouveau. Nous irons au cœur de ces mouvements d'humeur. Lancé le 15 mars 2013 au Niger et né des engagements des chefs d'État africains à mettre leur continent à l'abri de la faim, la campagne Cultivons suit son cours. Une de nos équipes s'y est intéressée pour nous parler de ses acquis. Un reportage donc à suivre. Après le sommaire, les détails. Bonsoir et merci d'être au rendez-vous. À l'entame de ce journal, la sphère sociale, le monde des travailleurs, souffle depuis ce matin le vent de la colère. Pour commencer plutôt par le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats d'enseignants CEPRAS et qui n'en peut plus d'attendre alors que ses militants croulent sur le poids des problèmes et les supplices des lendemains incertains. Le CEPRAS donc s'en va en grève de 48 heures à partir de jeudi jeudi 13 mars, et cela sur toute l'étendue du territoire national, nous informe un de ses membres, Cheibou Dambaji. La première raison tient aux engagements non tenus. Donc il y a eu un accord qui a été signé, et courant en 2013, notamment en avril 2013, qui octroyait un certain nombre d'avantages. Donc à la date d'aujourd'hui, et malheureusement, nous ne sommes pas satisfaits de l'application des engagements. Donc c'est ce qui fait que nous estimons que les engagements pour l'essentiel n'ont pas été tenus. Et parmi ces engagements, il y a une question qui nous tient à cœur. Dans l'accord additionnel, il a été retenu que à partir de janvier 2014, nous allons nous retrouver et aborder la question relative aux incidences financières, notamment la grille salariale. Alors nous estimons que le moment est venu, surtout que nous avons proposé déjà depuis 2012 une grille salariale. Donc nous estimons que le moment est venu pour que l'administration se prononce sur cette proposition de grille salariale avantageuse pour les enseignants, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Le deuxième point objet de ce préavis, c'est une situation qu'aucun syndicat ne peut négliger. C'est la suspension d'au moins 500 agents. Et le crime qu'ils ont commis, entre guillemets, c'est d'avoir passé un test qui leur a donné accès à l'université. Donc l'administration, après plus d'un an, parce que la promotion 2012 avait déjà effectué une année de cours, donc ils étaient des étudiants régulièrement inscrits, ils étaient en deuxième année. Donc l'administration estime que tous ces gens-là, il faut leur suspendre et on leur a suspendu leur salaire. Nous, au niveau du CEPRAS, nous estimons que par respect au partenariat, cette question aurait dû être discutée avec l'ensemble des syndicats d'enseignants. Et nous avions fait en son temps des propositions en relation avec un autre collectif de syndicats d'enseignants. Donc nous demandons à ce que l'administration revienne sur les suspensions massives de 500 pères de famille, mères de famille, qui ont vu leur salaire suspendu. Donc qu'on revienne sur la décision de suspension et que nous nous retrouvions pour discuter, voir la solution la meilleure pour que ceux qui méritent de continuer leur étude au niveau de l'université, qu'ils le fassent. À Zender, à la SORAS, précisément, les travailleurs nigériens tempêtent crient leur mécontentement également. La cause, leur secrétaire général est menacé de renvoi et ils entendent s'y opposer vaille que vaille. Un sit-in est déjà au programme de la journée de demain, nous a confié au téléphone Murtala Mohamed, le secrétaire général adjoint. Nous l'écoutons. Nous avons été vraiment surpris. Des matins que nous avons pris le service, nous sommes ici. Un des responsables nous a confirmé que notre camarade est en train d'être renvoyé sur des fausses bases.
Et ces fausses bases ont été tissées par nos partenaires, certains de nos partenaires chinois. Ils veulent me comploter avec, je n'ai pas dit tous les responsables, mais un certain, comme je dirais, qui voulaient faire partir notre camarade ici. Un bon travail, juste parce qu'il est syndicaliste, et je crois que les droits du syndicalisme au Niger sont autorisés par la Constitution, mais eux, pensant qu'ils font du syndicalisme, se mettent des désordres. Et sur cette base-là, ils veulent le faire partir. Et nous, tout ce travail de la phrase, nous avons dit que c'est hors de question. Ils n'ont pas respecté tout. En tout cas, même les simples principes du droit de travail n'ont pas été respectés. C'est ce que nous avons fait, c'est de faire sortir tous les travailleurs. Le travail a été arrêté depuis 11h. Nous étions en assemblée générale extraordinaire, donc nous avons pris assez de positions, en tout cas, pour barrer la route à tous ceux qui veulent créer des désordres, puisqu'ils ont voulu créer des désordres. Ils l'ont initié, ce n'est pas les syndicats qui l'ont initié, ils ont voulu que ça soit ainsi. Actuellement, nous sommes à la soirée dans une salle de réunion, tous les syndicats, y compris les délégués. Nous voulons, en tout cas, d'ici dès demain, c'est des sittings sérieux qui vont commencer. Et après cela, Inch'Allah, on va voir la suite, puisqu'on ne va pas baisser les bras. C'est un processus qu'ils veulent engager, peut-être pour frustrer tous ceux qui sont en train de lutter pour le bien-être du travail, nous dirons à la soirée, et nous, on ne va pas accepter. Donc vous allez bouger les travaux sur les titres. Si nous refusons, en tout cas, nous, on va passer à la gestion. Parce que nous avons derrière nous assez de problèmes. On a assez de protocoles d'accord dont on a signé avec l'Inspection générale des phrases et les autres ministères de digital et nous, les syndicats. Il y a aujourd'hui, tout le monde va rester là. Tout sur la gestion peut témoigner que ces protocoles d'accord n'ont pas été respectés. Et voilà de la manière dont ils veulent aujourd'hui nous répondre, menacer notre camarade de faire partir. Si nous avons une base, et tous ensemble, personnel des phrases, nous avons dit que c'est faux. Et je tiens aujourd'hui à notifier sur votre chaîne qu'en tout cas, tous les personnels nigériens de tous niveaux nous ont apporté notre soutien, Inch'Allah, et on ne va pas baisser les bras. Et les responsables, ils ont essayé de vous contacter pour un peu régler ce problème à l'amiable? En tout cas, je ne dirais pas non, puisque la personne du DGA nous a cherché à nous contacter, il nous a montré, il nous a donné tout son soutien, il a dit que c'est vrai, il est avec nous, ce n'est pas possible, puisque les Chinois, on a longtemps travaillé avec eux, on sait de quoi ils sont capables. C'est là, on ne va pas baisser les bras. On va les faire réfléchir comme on l'a toujours fait et on continue, Inch'Allah, jusqu'à ce que l'inquiétude trouve lieu à phrase. Notre société n'a pas un statut de personnel. Nous avons revendiqué, nous avons même cette brochure de statut de personnel qui est en cours de nous. Je pense que ce conseil en tiendra compte pour l'adopter. Et de deux, il y a l'unification de la grille. Une interview réalisée par Hassan Saleh Mustafa. Autant dire, le climat s'envenime là-bas à la Soraz avec des travailleurs déterminés à faire aboutir leurs revendications. Une atmosphère électrique et bouillante à tous égards qui suscite ce commentaire de Souley Moumouni Barma. Rien ne va entre le personnel nigérien de la société de raffinerie de Zender Soraz et les responsables de la dite société. Nos compatriotes travaillant sur les sites ont constitué un bloc pour protester contre une décision de l'administration qui envisage un certain nombre d'agents, parmi eux le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'énergie Sinatren, section Soraz, pour des raisons syndicales, notamment son combat pour la défense des intérêts des travailleurs. À cela s'ajoutent d'autres revendications que le personnel nigérien de la Soraz estime légitimes. À défaut de consensus, la production pétrolière de la Soraz risquerait de connaître des perturbations dans les jours à venir, car selon la section Sinatren de la Soraz, l'Assemblée générale de ce mercredi 12 mars a décidé d'engager un bras de fer avec l'administration jusqu'à satisfaction de la revendication. Joint au téléphone, un des responsables de la Soraz qui n'a pas voulu se prononcer nous a demandé de rappeler ce jeudi. Nous voilà donc au fait des nouvelles Zender. Les médecins spécialistes également sont à bout de nerfs. Leurs conditions de travail sont exécrables à les entendre et ont décidé de briser bruyamment à gorge déployée le silence. C'était au cours d'un point de presse que nous résume Youssouf Omar et Aboubakar Souley. Ils ne dépassent pas 200 dans tout le Niger. Ils sont répartis dans les ministères de la Santé, celui de l'enseignement supérieur, mais également la Défense. Pour le présent point de presse, les médecins spécialistes du ministère de la Santé estiment que leur situation n'est pas du tout reluisante. Autrement dit, leur salaire ne répond pas à leurs besoins. Et cette situation va les conduire à la démotivation. Une fois que le spécialiste est démotivé, on assiste à quoi?
Il y a certains qui choisissent la voie de l'immigration et s'installent dans les autres pays. Il y en a qui restent au pays, mais vont se livrer à une pratique excessive de l'exercice privé. Ils sont dans toutes les cliniques. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent à faire face aux minimums fondamentaux. Et de l'autre côté, les médecins généralistes, devant faire la spécialisation pour venir relayer l'équipe, ils sont découragés. Ils vont réfléchir 10 000 fois avant de se lancer parce qu'ils savent que leur situation ne changera en rien. Et mieux, la personne cherche même à trouver des responsabilités administratives où tu pourras au moins trouver quelque chose à grignoter. Mais venir s'exposer au risque pour travailler, le travail pour le travail, personne ne veut se lancer parce que ce n'est pas motivé. Eh bien, face à cette situation, nous demandons aux autorités compétentes et au plus haut niveau de s'impliquer activement pour que cette injustice dont les médecins spécialistes sont victimes, qu'elle soit réparée le plus rapidement possible. Un autre souci que déplorent les médecins spécialistes, c'est le manque crucial de matériel de travail. Voilà un an qu'aucun hôpital public ne dispose de scanner, clame-t-il. Quand on vous forme en tant que spécialiste, c'est pour venir donner des soins de qualité et très pointus. Qui dit soins de qualité et pointus, dit un minimum de matériel, un minimum de plateau technique. Mais vous n'avez rien. En guise d'exemple, aujourd'hui ça fait à peu près un peu plus d'un an qu'à Niamey, il n'y a pas un seul hôpital public qui dispose d'un scanner. Pour faire un électromyogramme, c'est un examen banal. Ça se fait à 10 000 francs à Ouaga. Si vous en avez besoin pour votre patient, il faut qu'il prenne le bus ou l'avion pour partir à Ouaga faire cet examen et revenir à Niamey. Donc vous voyez, le spécialiste, il est réduit à sa plus petite expression. Et dans ces conditions, qu'on lui demande de fournir des résultats. Eh bien, cette situation, elle a trop duré et nous pensons que les gens doivent la prendre en considération et la traiter de la façon la plus objective possible. Vous voyez, messieurs, dames, la situation dans laquelle vivent les médecins spécialistes. Augmentation de salaire, dotation de matériel adéquat de travail dans les hôpitaux publics, telles sont, entre autres, revendications du syndicat des médecins spécialistes du Niger. Un cri qui lance à l'endroit de l'employeur qui est tout simplement l'État du Niger, afin que le minimum de prestations de services soit fourni aux patients. Ne partez pas de grâce, restez avec nous, chers médecins. Place à présent à notre second titre du jour. Pardonnez-moi un vilain rhume. La campagne Cultivons née des engagements des chefs d'État africains à mettre notre continent à l'abri de la faim est lancée, souvenez-vous, le 15 mars 2013 à Niamey. Elle a suscité beaucoup d'espoir, on s'en souvient également. Et maintenant qu'elle a fait du chemin, une de nos équipes est allée voir ce dont elle a enfanté. Michel Didi et Aboubakar Soulé ne se sont pas ménagés pour nous en faire le bilan. Suivons-les. C'est à Maputo qu'a jailli cette initiative en 2003 lorsque les dirigeants africains avaient pris à l'unanimité l'engagement d'allouer en 5 ans 10% de leurs budgets nationaux à l'agriculture africaine qui reste jusque-là vulnérable malgré ses multiples potentialités. Depuis lors, des rencontres de plaidoyer ont été organisées dans plusieurs pays du continent. Au Niger, c'est grâce au lancement l'année passée de la campagne Cultivons que les objectifs visés à travers ces engagements seront mieux connus. La campagne Cultivons est une volonté appuyée par Oxfam au niveau international, une volonté de regroupement des efforts des organisations paysannes et de pastorales dans les pays comme le Niger et d'autres pays du tiers-monde, afin que la contribution de l'agriculture et de l'élevage, qui occupe plus de 80% de l'activité dans le pays, apporte une contribution
plus consistante à l'économie. Donc la campagne vise, depuis l'année dernière qu'elle a été lancée au mois de mars, que les gouvernements remplissent mieux les engagements qu'ils ont pris à Maputo. Il faudrait que les financements, lorsqu'ils sont affectés, soient accessibles aux vrais nécessiteux, les exploitations familiales en milieu rural. 10 ans après ces engagements de Maputo, seuls 8 pays sur les 54 ont eu à tenir leurs promesses, accordant ainsi au secteur agricole la priorité qu'il mérite. Parmi ces 8 pays figure le nôtre, avec un budget beaucoup plus important que ce qui est recommandé. Aux yeux des acteurs de cette campagne, cette politique nationale d'autosuffisance alimentaire doit être pérennisée, mais surtout améliorée. 25%, c'est très ambitieux. Et pour remplir les objectifs de cette ambition, il faudra une action vigoureuse de l'État. Mon devoir artistique, c'est de conscientiser. Nous devons nous battre pour vraiment développer notre propre agriculture et de manger ce que nous sémons, pour que vraiment on fasse la promotion de notre culture, de nos produits vivrières. Et pour moi, c'est ça que je veux mettre dans l'esprit des jeunes. Ça peut se faire au Niger. Moi, je vois déjà à travers le kilichi. Le kilichi est un produit très prisé un peu partout par nos voisins et même au-delà des frontières de l'Afrique de l'Ouest. Mais que fait le Niger pour valoriser le kilichi? Je dirais pratiquement rien. Chaque fois que vous voulez boire du lait ou bien que vous cherchez du tchoukou dans la ville de Niamey, à moins que vous ayez la chance de vous déplacer vers Balayar, Atawa, eh bien, si vous cherchez une lamelle de tchoukou à Niamey, c'est tout un problème. Alors, donc, il y a des solutions qu'il faut rechercher à travers une meilleure réorganisation du secteur. Pour réussir ce combat vital, la campagne essaie d'organiser des tournées de sensibilisation et des rencontres, non seulement avec les productrices et producteurs, mais aussi avec tous les autres groupes cibles de la population nigérienne. En termes d'apport, le Sahel Niger 2014 a permis à cette campagne de se faire connaître davantage et d'amener le public nigérien à adhérer à ses idéaux à travers une pétition dont les premières dames et le président de l'Assemblée nationale font désormais partie des signataires nigériens. Une pétition qui vise à rappeler aux dirigeants africains la nécessité d'honorer les engagements qu'ils ont solennellement pris à Maputo dans la résolution des crises alimentaires chroniques qui secouent et fragilisent les populations de ce vieux continent. Direction Agadez pour une escapade, une odyssée dans son univers artisanal. Ce sont Hassan Saleh Mustapha et Sadou Doumi, nos reporters, déjà sous le charme de ce trésor de talent et de ces magnifiques objets d'art qui nous y amènent. Sans les quitter des yeux, suivons-les. Zone touristique par excellence, la région d'Agadez regorge d'énormes potentialités culturelles et artistiques. Ainsi, l'artisanat fait partie de la richesse de cette région. Grâce à leur talent et leur ingéniosité, les artisans de la région d'Agadez sont connus au plan national et international. Et ils sont fiers de leur métier qu'ils exercent avec passion. Moi, je suis bijoutier et je n'ai que ça comme activité génératrice de revenus. Tous ces objets que vous voyez, c'est nous-mêmes qui les confectionnons. Pour ce faire, nous utilisons des métaux comme l'argent, le fer et bien d'autres matières. Mais c'est surtout l'argent qui est beaucoup plus utilisé. Nos femmes, elles, s'occupent de tout ce qui est cuir. S'agissant du marché, on ne peut que remercier Dieu car les clients viennent acheter. Nous vendons nos produits ici au Niger et dans les pays voisins comme l'Algérie, la Libye, etc. Nous fabriquons des bijoux, des bagues, des croix de la région d'Agadez pour ne citer que ceux-là. Tous ces objets sont nos propres œuvres.
Ils sont généralement faits à base de l'argent qui nous provient des pays voisins et même de la France. Dieu merci vraiment, dans cette activité, on s'en sort. Nous arrivons à joindre les deux bouts. Je tiens à préciser que les albés et autres objets en cuir sont généralement fabriqués par les femmes. Ces artisans fabriquent des objets de tout genre, des objets à base de cuir, d'argent, du fer et bien d'autres matières. Pour écouler tous ces articles, ces artisans s'organisent dans un cadre bien structuré. Nous nous organisons en coopérative pour pouvoir écouler nos produits. Ainsi, un groupement de 5 à 6 coopératives donne lieu à une union. De même, ce sont les unions qui se regroupent pour créer une fédération. C'est comme ça que nous procédons pour vendre nos produits. Tous les objets qui sont utilisés pour harnacher les chameaux, les chevaux, les ânes sont des produits confectionnés par nos artisans. Entre nous, tout se passe bien. Nous n'avons pas tellement de problèmes, nous nous comprenons et nous gérons ensemble nos problèmes. De son côté, le ministère de tutelle essaie de créer des conditions pour promouvoir le secteur de l'artisanat au Niger, notamment dans la région d'Agadez. Vous avez vu les standards, c'est des produits artisanaux, c'est des produits agro-silvopastoraux. C'est toujours dans le cadre de la promotion de ces produits artisanaux que nous avons confectionné ces standards. L'artisanat est un produit du tourisme. Donc vous voyez, tous les touristes, tous les étrangers qui sont venus, ils vont aller sur le site, ils vont aller au niveau des stands, ils vont acheter des produits. C'est une façon de les aider aussi à commercialiser ces produits sur le plan local. Et vous avez vu le nombre de touristes internationaux qui sont là aujourd'hui et qui sont aussi en train d'acheter des produits artisanaux. Donc je pense que ça va beaucoup aider les artisans qui sont venus vendre. Ils sont venus vendre les produits. Nous, on a mis les stands à leur disposition. C'est une façon aussi de les accompagner, de les appuyer. Au Niger, précisément dans la région d'Agadez, les artisans se partagent les tâches de l'exercice de leur métier. Presque tous les objets confectionnés en cuir sont les œuvres des femmes et les autres, c'est l'affaire des hommes. Retour à Niamey pour nous délecter d'avance du Liptako Awards, un méga concert que se propose de nous faire vivre le premier groupe de presse 100% sport et musique dénommé Liptako, et ce à l'occasion de son premier anniversaire. L'annonce de cet énorme, de ce volumineux cadeau, vous en conviendrez, a été faite lors d'une conférence de presse cet après-midi, même à Niamey. Adamu Soumana, Halidou Kourema. Cette rencontre d'échange entre hommes des médias et artistes musiciens du pays autour des responsables du groupe Liptako vise à édifier davantage l'opinion publique sur l'événement phare marquant l'an 1 de ce groupe de presse. Un événement dénommé Liptako Awards, dont l'objectif principal est le couronnement des meilleurs artistes, musiciens et sportifs de l'année écoulée. Un concept qu'on a voulu faire et qui soit le plus démocratique possible. Parce que tous les nominés, les lauréats seront voté par le public, le grand public, leur public, c'est lui qui va décider de qui va remporter l'award. Donc je pense que c'est une première ici qu'on a voulu essayer, et je pense que ce ne sera pas une dernière, parce que c'est quelque chose qu'on veut pérenniser et le faire chaque année. L'objectif de notre groupe de presse, c'est la promotion des artistes et des sportifs nigériens. Donc c'est vraiment l'objectif principal. Cet événement n'est pas à but lucratif. L'essentiel pour nous, c'est de remplir ce stade pour faire une fête vraiment digne de ce nom et montrer vraiment à tout le monde que les artistes nigériens et les sportifs nigériens peuvent remplir ce stade-là. En signe de reconnaissance à tous les efforts fournis par le groupe de presse Liptako pour le rayonnement de la culture et le sport au Niger, les artistes ont pour leur part promis de faire de cet événement un succès inoubliable. C'est très important qu'on se réunit, c'est très important qu'on se parle. C'est vrai, on est des musiciens, mais chacun dit quelque chose, parce que la musique apporte quelque chose. La musique est là pour faire réunir les gens, parce que c'est très important. Déjà, les Liptako, ils sont là pour soutenir les artistes nigériens. Et nous, quant à nous, ce qu'on va faire, c'est de leur soutenir.
Et c'est notre façon de soutenir le taco qu'on va dire au public que nous serons de la partie. C'est un événement qui ne s'est jamais produit ici au Niger. L'Iptako a organisé ça. Moi, je vois ça seulement sur 13 Urban Awards. Donc là, je vois l'Iptako Awards. C'est une très bonne chose. Donc, je remercie ces gens qui ont organisé ça. Et vraiment, je vous dis seulement d'être là le 15. C'est tout ce que je peux vous dire. Et parce que nous, on est prêts à assurer et on va le faire comme d'habitude. Hey, l'Iptako, c'est une télévision qui est en train de travailler vraiment pour les artistes nigériens. On est vraiment fiers de l'Iptako parce qu'aujourd'hui, c'est main dans la main. Donc, on travaille avec l'Iptako et donc on est obligé aussi de les soutenir. De toute vraisemblance, la fête sera belle le 15 mars prochain au stade général Séni Kountié. Alors, ne vous faites pas raconter cette première édition du l'Iptako Awards. Participer à cet événement, c'est contribuer à la promotion de la musique et des sports au Niger, mais aussi et surtout soutenir la première chaîne nigérienne 100% sport et musique, le groupe l'Iptako. À 2h du matin, samedi, Kapogati, 15 mars, Wadino Sindeba, mars, entrée, 2000 francs CFA, francs euro, Zambutaki. Ainsi s'achève ce journal à rediffuser à 22h45 sur votre chaîne La Bari. Soyez donc au rendez-vous et d'ici là, restez avec nous. Merci et au revoir.